Papa, maman a dit que tu fasses partie de ton ami là, que le riz n'est pas beaucoup. Tu as rangé tout ça avec quoi? Un tapas de la jambe. Non, non, laisse. À l'école là, un petit monstre. Et les tontons Badoué en pleine action. Je ne savais pas que le grand père quand il est en train de t'arrêter là sur mon big repé. Toi, mais tu peux faire mieux. Tu peux faire mieux. Attends, fais dormir où hier. C'est moi, c'est que tu m'as mis le pied de que ma gifle. Pourquoi tu m'as salut pas la voiture de mon père. J'imagine qu'elle souffre. Elle ne mange rien chez elle. J'imagine qu'elle dort même sur un lit en bambou. Et qu'elle vit dans les sous-quartiers, maman. Tes arachides là, j'espère que tu as bien lavé ça parce que je ne mange pas du n'importe quoi. Mec, les enfants se me connaissent mieux. J'espère que tu laves bien tes mains quand tu vends tes arachides ici. Ça fait 500 francs. Vous vous moquez de moi parce que je vends les arachides. Toi, tu te vantes avec la voiture de ton père. C'est ta voiture. Travaille dur. Dès que tu es grande, tu achètes ta voiture, tu te vantes avec. Toi, la pâte à poussi. Ça fait 5 ans que tu fais le coup moyen, tu n'as pas honte.
Et toi, qui me regardes avec les yeux du criquet là, avec le chapeau de Siriki, tu pisses au lit. Les pisseuses au lit ne me parlent pas. La pisseuse, la patapouf et la crâneuse. Je vous dis bonsoir. Le premier jour, mon frère. Arachide. Arachide. Tu regardes, il y a un bon coup, quoi, non, mon frère. Arachide. Petite, mets tes arachides. Hé, le goût est ça, Seigneur Jésus. Oh là là. C'est vraiment ma fille. L'arachide, selon Dieu, c'est la magie. Hein. C'est la magie, selon Dieu. Je sens les archives dans mon bien. Je ne peux pas dire que les bonnes sont bien. Payez alors. Pas payé, mais c'est pas goûté, non. C'est même pas bon. Ouais. Ok, vous ne payez pas. Ok. Et dis quoi? Et dis. Et dis un dis donc. Viens. Ouais, c'est Bonjour ma fille. Comment tu vas? Je vais bien. Qu'est-ce que tu vends? Les arachides. C'est combien? 100 francs et 50. Ok, donne nous deux verres de 100 francs. Là. Bonita. Ce que je vois là, ma copine. Maman, moi, je suis en train de voir comme toi. Comment à cet âge, les parents peuvent envoyer l'enfant faire du commerce ambulant? Vraiment. Normalement, c'est au moins à partir de 15 ans qu'on doit envoyer un enfant dehors pour faire ce genre de métier. Évidemment, elle est trop jeune pour faire ça. Avec toute l'insécurité que tu connais ici dehors actuellement. On nous parle de viol d'enfants, on nous parle de vol d'enfants. Regarde. Je me demande bien comment un parent peut envoyer un enfant de cet âge-là dehors pour vendre. Merci ma fille. Et en plus, ma copine, les enfants sont en ce moment soit au village pour aider les grands-parents, soit aux petits ateliers de formation, ou encore aux cours de vacances pour mieux préparer leur entrée scolaire. Vraiment. Et elle a l'air d'une enfant très heureuse. Ma fille, tu as quel âge? J'ai 7 ans. Vraiment. Tu fais quelle classe, ma fille? Non, c'est même intelligente. Mais jusque-là, c'est pas une raison. Merci. Mais comme on dit, c'est Dieu seul qui protège ses petits enfants. Ça fait combien, ma fille? 200. Tiens. Merci. Ok, ma fille. Sois prudente. Hein? Ok, courage. Mais depuis qu'on l'attend, toujours parce qu'elle est plus bobo que nous là, qu'elle va nous faire poireauter ici là. Arachide. On va essayer de dépasser. Arachide qui de la joke. Les arachides qui ne constipent pas. C'est tout comme ça qu'elle fait. C'est sûr qu'elle est en train de regarder la télé là-bas. Elle nous fait attendre ici là depuis plus d'une heure. Moi, tu parles. Même, j'ai fréquenté avec elle au lycée, mais c'est toujours comme ça qu'elle se comporte. C'est pas sérieux, elle va l'attendre, sérieux. Dépêchez-vous, je n'ai pas le temps à perdre ici. Waouh, ma petite, j'aime ton inspiration. Dis-moi tes arachides, c'est combien? 100 francs et 50. Comment la boîte de 100 francs? C'est bien, hein? Où mange tes arachides? Maman, la petite fille est courageuse et vaillante. Maman, tu vas comment être dépêchée, vous je n'ai pas assez de temps. Hein?
Tu vois le charisme de l'enfant. Elle est trop brave. Monsieur, c'est bon, ma chère. Ouais. Tu vois, j'ai un enfant. Ma fille est à la maison, elle passe son temps à voir la télé, elle est chantée. Courage. Bonne journée. Tu vas bien, hein? Elle est où là depuis qu'on l'attend? Comment elle fait la bombine, comme quoi elle est plus là comme la doise là? Sans fesse ni sain. En plus, même son père détourne les fonds publics. Est-ce que vous savez même ça? Maman, ne dis pas. Avec ces fausses fesses qu'elle met sur sa tête là. Maman, vous parlez comme ça, on ne le connaît pas. J'ai fréquenté avec elle, juste maman. Au lycée, il y avait un professeur qui a mis son nom, Luc. Comme tu vois, elle mince comme ça, elle regarde. Est-ce que. Ah, maman, sans sein comme ça, là. Est-ce qu'elle m'a tenu? Elle a marché comme ça, ses pieds font comme le fil, les fils de fer, là. C'était brandi de balai. Oui, parce qu'elle nous a demandé de venir s'asseoir, prendre un poil, elle va venir gérer le père, le temps comme si. Mais ça, c'est du mépris, hein. En tout cas, elle va venir, si elle veut lui parler, peut-être elle ne me connaît pas. Non, il faut parler, il faut parler. Est-ce qu'elle a l'asseoir dedans, là? Vous allez la goûter, payez maintenant. Maman, donne-moi les achats de 100 francs. 100 francs ou 100 francs? 100 francs, on va manger à 4. Mec, 4 filles qui se disent androïdes prennent l'arraché de 100 francs. N'est pas honteux. 4 filles qui se disent androïdes. Hey! Ton problème, c'est quoi? Allez, donne-moi les achats là-bas. Pardon, c'était. Je te vois, Douala. Est-ce que la mine se filet? Elle nous fait attendre ici depuis plus d'une heure. En tout cas, on va seulement boire, on va même vider le bas, c'est la limite. Massa. Ah, Rwanda. Je veux dire que tu es au courant. Je veux même l'arrêter. Je suis dans mon dos. Avec ces mines, ce petit comme les brindis de balai là. Maman, elle s'enfait, sans comme ça. Je sais pas comment elle va faire. Je vais me faire. Je reste ici, je l'attends parce qu'elle veut montrer quelque chose. Elle est plate comme la doise. C'est quoi ça, arrête l'esprit là, on attend. Dis donc, quelle reine, tu parles de reine, quelle reine. Elle peut être une reine. Ça n'a rien à faire, parce que moi je ne fonctionne pas sur la mentalité. Faut pas ça, c'est le mépris. On ne pas nous mépriser sur cette, juste dans cette manière-là. Ah, juste parce qu'elle vient nous offrir quelque chose, qu'elle va se prendre dans la tête, elle vient nous faire attendre. Ça, c'est du mépris, moi je n'aime pas ça. Maman, il dit qu'avec ses mines, ce pied-là, elle va venir ici depuis qu'on fait que l'attendre ici. Là. Je suis comme le bambou de Chine là-bas. Elle était en train de attendre. C'est comme si la reine nous le croit tout donc. Elles sont pas non pour qui. Ça, c'est un manque de respect. Ça, c'est du mépris. Elle nous méprise. Vous voyez ça comment les filles? Pardon, paye mon argent et pas. Hé, ta bouche là. Tout à l'heure, tu m'engueulais pour une graine d'argent. Tu as payé ça. Il a pas. Payez-moi. Hé, esprit là, ma copine, maman. Tu es belle. Tu as payé mon argent. Elle me parlait trop gentille. Elle me faisait le mariage. Hé, esprit chou, t'es jolie. Merci. Bonjour, Choco. Oh, ma soeur. T'es comme une soeur pour moi. C'est comment? Un barman. Mais, Estrella, pourquoi tu as mis tant de temps comme ça? J'étais tellement occupée. Ah, de toute façon, je n'ai même que 5 heures de temps. Avant de se battre, t'attends de la pia. Mec 2! Maman, tu sais que tu es la bosse, non? Oh, tu es toujours belle comme à l'école. La magie. Mais c'est la maman le plus jeune. C'est toi, Estrella. Oui, c'est moi. C'est toi qui dois payer les biens. C'est normal, non? Ce sont mes copines. Quand tu n'étais pas là, ils ont parlé de ton nom aussi. Elle met les fausses mèches, elle crame trop, elle est mince. Quand vous étiez à l'école, ton maître t'appelait Lucky Luke. Que tu crames trop, que tu crames, tu crames, tu crames. Que ton père c'est un bandit qu'on va bientôt le mettre en prison. Et que tu es plate comme la doigt, tu n'as pas les seins ni les fesses. Tu peux pas quand même me comprendre, c'est que la panne. Elle va aller se mettre là. Elle va aller se mettre là. Vous avez dit ça. On n'a pas dit ça. Maman, elles n'ont pas dit ça. Tu ne manques pas. Elles ont dit ça. Pardon, dites la vérité. Ok. Entends ce qu'on dit ici là. Bon, les filles, c'est pourquoi vous enflammez trop. Donc vous êtes assises comme ça là. Vous tapez les divers sur mon nom. Ce n'est pas vos vies. Donc vous êtes assises comme ça, vous attendez que c'est moi qui vais payer la boisson que vous êtes en train de prendre là. Vous avez payé ça. Oui, maman, tu as dit qu'on t'attend, non? Viens payer, non? Vous avez payé ça. Viens payer, non, maman, tu es comme ça. Vous avez payé ça, bien. Maman, est-ce que tu as payé ça? Payer la boisson, non? C'est comment ça? Pardon, tu parles, ma frère. Ouais, maman, pardon, je vais payer ça. Mon frère, tu parles, non, ma chérie? Donc tu es choco comme ça, tu peux payer les deux. Est-ce qu'on avait l'argent? On n'avait pas l'argent, ma chérie. Comme tu peux nous faire. On n'a pas dit ça, non, non. Tu es sérieux, pardon.
Tu pars. Tu pars comme ça que tu vas payer. Pardon, tu pars comme ça que tu vas payer. Tu es parti. Pardon, ne commencez pas. Vous venez aussi pour parler mal de votre copine par rapport à quoi? Elle part comme ça que tu vas payer. On va payer après. Non, ça va, on va trouver une solution. On va payer. Ça c'est rien. On n'a même pas payé. On va payer. On va payer. On va payer. Arrêtez-moi ça. Ça va pas m'aider. Vous payez ou ne payez pas. On va payer. On va trouver une solution. C'est bien. Vous allez maintenant comprendre pourquoi la vieille dame t'a fait sur le chapeau. Vous allez maintenant comprendre pourquoi la vieille dame sous la peau sur le matin. Ouais, pour ça. On va payer. On va payer, non. C'est ce que j'ai fait. Elle continue. Où se casque but? Ouais. Tu caches. Ouais, Baman, on va finir. Ouais, Baman, je n'ai pas de téléphone, je suis comme ça. Hey, pardon, ne commence pas. Je n'ai pas de téléphone. Il ne peut plus vous voir ici là. Sinon vous allez comprendre pourquoi la pierre d'un souvent pas sur le matango. Ouais. Allez, Bastou. Parlons de que. Bon, frère, passez-moi, c'est le marron. Eh, pardon, c'est pas la Les enfants comme toi, je tape, les mange, les tue au petit déjeuner. Au moins 15, comme toi, j'ai mangé hier. Tu ne me connais même pas. Ne m'énerve pas. Ne m'énerve pas. Tu fais la pause. Ne me parle comme ça. Ne me parle plus comme ça. Tu me parles, même ta maman me connaît. Les enfants comme toi, il y a même les deux ici là. Mais tu fais ça d'abord. D'abord. Dis-moi seulement ça trois fois, tu vois ce que je te fais maintenant. Ok. Je vais te gifler. Ok, je vais te taper. Oh, ne m'énerve pas. J'ai encore. Je vais te taper, ouais, ça gifle. C'est bon. Ça va le problème. Mais je gifle un petit peu ici. Ah, ça gifle, vraiment, je gifle. Hé, petit maman, tu respect. Elle est très insolente. Hé, hey, c'est bon, assez, hein. Ton bras m'a grandi. Oh, que tu me bloques comme ça là. C'est vous qui menacez les enfants ici au quartier, n'est-ce pas? Non, grand. Hein? Non, grand. Vous faites de la filouterie. Aïe, grand, pardon, c'était une erreur. Je m'excuse, grand. Maintenant, tu vas te lever et demander pardon. Je vais demander, grand. Hein? Allez, vas-y, fais-le. Allez, vas-y. Grand, tu as coupé mon souffle. Demande-lui son nom. Tu te manges de nous. Tu dis pardon, Tata Gloria.
pardon tata Gloria, je ne veux plus jamais recommencer ce que j'ai fait. Répète encore. Dis-le encore. Pardon, tata Gloria, je ne peux jamais recommencer ce que j'ai fait. Tu te lèves d'ici et tu dégages. Allez, fous le camp. Ma fille, il faudrait que tu saches que les arachides que tu vends, ce n'est pas pour les enfants de ton âge, d'accord? Tu n'as pas encore l'âge de faire le commerce, d'accord? Pour cela, il faudrait que tu restes à la maison. Tu diras à tes parents que ce n'est pas prudent, que tu n'as pas encore l'âge de te retrouver dehors en train de vendre des arachides. Parce que le dehors est mauvais. On peut t'enlever, on peut même te kidnapper. D'accord? Et ce n'est pas bien pour toi. Donc voilà ton argent que j'ai pu récupérer. Tu rentres à la maison. Comment tu es venu rentrer comme ça? Tu as fini tous les arachides et l'argent. Mais tu as les cachettes, hein? Tu as les cachets comme ta mère. Comment est ta mère cachait l'argent à l'époque, hein? C'est tout, ma fille. Bien ça. Faut te battre comme ça. Maintenant, tu vas entrer, j'ai déjà brûlé les autres arachides. Tu reportes ton deuxième tour, tu pars voir. Et fais les efforts pour que tu vois même 5 à 6 plateaux d'arachides. Tu comprends, ma fille? Papa, les enfants de mon âge ne font pas le commerce. Mais pourquoi? On peut les kidnapper. Non, non, non. Quand moi, j'avais ton âge, à l'heure, si j'ai déjà vendu 7 à 8 plateaux d'arachides. Donc, fais les efforts de doubler ce que je faisais. Papa? Oui, ma fille. Quand Paul Biya avait ton âge, il était le président de la République. Et qui est? Tu as rangé tout ça avec quoi? Un tapot de l'argent.